Salut à tous mes abonnés, salut à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos faites par moi. Et j'aimerais aussi attirer l'attention de mes abonnés à ne pas prendre les numéros qu'on leur propose sur ma chaîne parce que plusieurs d'entre vous se plaignent qu'on vous arnaque. Et que d'autres se font passer pour moi en utilisant mon nom. D'autres se font passer pour mes employés. Donc, évitez de prendre ces numéros. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous débloquer de l'emprise des démons, des sorciers, de tout ce qui est maléfique grâce à un cardinal. Grâce à un cardinal. Oui, pour cela, vous allez partir au marché, vous allez acheter un cardinal tout neuf. Vous arrivez là-bas, vous demandez à combien coûte le cardinal, on vous donne le prix acheté. Donc, ne tiraillez pas le prix avec le vendeur, parce que c'est quelque chose qui va vous traiter. Vous achetez votre cardinal, vous rentrez à la maison avec. Étant fermé, donc vous allez fermer ça au marché. Et comme vous avez fermé votre cardinal au marché, vous n'allez plus l'ouvrir. Vous allez laisser les clés sur ça. Vous n'allez plus l'ouvrir. Rentrez avec et ça sera toujours et toujours fermé. Jusqu'à la fin de votre rituel. Ça sera toujours fermé. Vous rentrez à la maison avec. Après, vous rentrez à la maison avec. Vous déposez, vous attendez minuit 00 pour faire votre rituel. À minuit 00, vous vous levez, vous vous déshabillez, vous restez tout nu. Vous ne deviez pas avoir de chaînes, de montres sur vous, des boucles, donc rien. Vous restez nu, vous prenez ce cardinal, vous essuyez ce cardinal sur vous, de la tête jusqu'aux pieds. En faisant vos prières, chacun prie son Dieu, en disant quoi? Soit si tu es homme, tu dis que je suis ton fils, je suis en face de toi pour t'implorer de me débloquer face contre les démons, les sorciers, les satans et tout esprit maléfique. Vous dites ça, si vous êtes femme, vous dites, je suis fille, je vous suis ta fille, mon Dieu. Je viens vers toi pour que tu puisses me délivrer, tu puisses me débloquer de l'emprise des sorciers, des démons, des esprits maléfiques grâce à ce cardinal. Vous dites ça en essuyant ce cardinal sur vous, de la tête jusqu'aux pieds, vous essuyez partout sur le corps, partout sur le corps. Et vous avez dit, le rituel commence à minuit. Vous essuyez partout sur le corps. En disant quoi? Aujourd'hui, on vend le cardinal. En disant, après votre prière, vous allez dire, on vend le cardinal au marché. Étant fermé et on ouvre ce cardinal au marché à la maison. Et en disant ça, n'ouvrez pas votre cardinal. Ça doit tout rester fermé. Quand vous avez dit ça, vous dites, on l'ouvre, on ferme le cardinal, on ouvre le. Pardon. Vous allez dire, on ferme le cardinal au marché et on l'ouvre à la maison. Moi, je m'ouvre. Vous allez dire, moi, je me débloque de l'emprise des démons, des mauvais esprits, des sorciers, dès ce soir. Que tout ça puisse finir. En disant ça, vous allez dire, après avoir dit ça, vous allez prendre ce cardinal, toujours fermé avec les clés sur ça, comme vous voyez là. Ça doit rester toujours fermé. Vous allez mettre en bas de votre oreiller. Vous allez vous réhabiller et vous allez vous coucher. Vous vous couchez, vous vous levez très tôt à 6 heures.
sans dire bonjour à quelqu'un, ni saluer quelqu'un, vous allez aller dans la rue où vous savez que plusieurs personnes passent là-bas, vous allez lancer votre cardinal toujours fermé. Vous n'ouvrez pas le cardinal reste fermé jusqu'à la fin. Vous lancez votre cardinal, vous retournez, vous rentrez. Et le rituel est fini. Fini le déblocage.